J'ai l'habitude de dire que si j'ai fait une mise en bouteille et que j'ai mis des grands bouchons, liège naturel, qualité fleur, debout miroir sur des grands vins, peut-être que la nuit, je vais faire de beaux rêves. Je représente la troisième génération de propriétaires et de viticulteurs à Côte-Rôtie. Et nous sommes spécialisés dans la production de grands vins sur toute la vallée du Rhône. Donc vous êtes aujourd'hui à Ampuy, berceau de l'appellation Côte-Rôtie, qui est une terre où on travaille les sols, on produit des raisins, on fait du vin depuis 2400 ans de façon ininterrompue. Quand je pense à un grand vin, je pense au travail. Le travail qui est derrière cette bouteille, parce que quand on tire le bouchon, c'est relativement rapide et tout de suite, on est confronté au vin avec ses arômes, avec son équilibre, avec sa puissance, si c'est un vin rouge, si c'est un nain, son acidité. Notre maison a été fondée par mon grand-père le 1er janvier 1946 et déjà en 1946, on travaillait avec du liège naturel, bien sûr. Quand je pense au liège, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Il y a le côté historique, traditionnel, indissociable de l'image du vin. Toutes les études montrent que les consommateurs français sont très attachés au liège. Il y a aussi un autre mot, c'est le mot technicité. C'est comme dans le vin, pour faire un grand bouchon, il faut beaucoup de technique, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de connaissances derrière. Il n'y a rien de mieux qu'un grand vin avec un grand bouchon. Ça donne une symbiose extraordinaire. Et on parlait d'émotion tout à l'heure. Ouvrir une bouteille qui a 30 ou 40 ans et tirer un bouchon magnifique, c'est de l'émotion et c'est un grand plaisir. Moi, je suis très sensible à la matière liège parce que c'est une matière naturelle. Après, le liège naturel, pour moi, représente aussi une certaine forme de développement durable. Peut-être une empreinte carbone plus faible, plus limitée. Donc j'ai plutôt une vision très positive du liège naturel par rapport à son impact sur l'environnement, chose que je n'ai pas du tout avec les bouchons synthétiques ou les capsules à lisse.